بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم، bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec solution, toujours sur le module théorie de signal pour l'essence 2 et l'essence 3. Dans cet exercice, on va entamer la partie transformée de Fourier, qui est la représentation du domaine fréquentiel des signaux non périodiques. On va commencer par l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Donc, soit le signal x de t, ce signal est défini par x de t égale à 2 exponentielle moins t pour t inférieur à 0. X de t égale à 2 exponentielle moins t pour t supérieur ou égal à 0. On vous donne que l'intégrale de dx sur alpha au carré plus x au carré est égal tout simplement 1 sur alpha, arctangente de x sur alpha plus une constante. La question, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de x, x de f, pardon, et on vous demande de déduire le module de x de f. La deuxième question, on vous demande de calculer l'énergie de x de t par deux méthodes, temporelle et fréquentielle. Concernant cette question, donc normalement, nous avons que le théorème de Perceval, ça concerne la conservation d'énergie. Donc, c'est-à-dire que la valeur de l'énergie calculée sur le domaine fréquentiel, ça reste la même sur le domaine fréquentiel, temporel, ça reste la même sur le domaine fréquentiel. X de t égale à 0 pour t négative égale à 2 exponentielle moins t pour t supérieur ou égal à 0. On va commencer par la transformée de Fourier. Donc, c'est S de f qui est égal à la transformée de Fourier de S de t. C'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t par exponentielle moins g de pft dt. D'accord? Donc, on va remplacer S de t par sa valeur. On obtient, sachant que S de t est défini entre 0 et l'infini, car la partie entre moins l'infini et 0, il est nul, notre signal. On va prendre les bornes d'intégrale de 0 à l'infini. On va remplacer dans la formule, donc on obtient l'intégrale de 0 à l'infini de 2 exponentielle moins t, c'est S de t, pardon, par exponentielle moins g de pft dt. On va faire la somme des deux signaux expo. On aura deux fois, on peut sortir 2 de l'intégrale car c'est une constante. On aura l'intégrale entre 0 et plus l'infini. 2 exponentielle moins t multiplié par 1 plus g de pf dt. L'intégrale de exponentielle moins t par 1 plus g de pft est égale à moins 1 sur 1 plus g de pft exponentielle moins t par a plus g de pf entre 0 et l'infini. Nous avons exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, et l'intégrale entre a et b, ça sera f de b moins f de a. Donc, le moins avec le moins, il est plus. On aura à la fin, c'est 2 divisé par 1 plus g de pi f. Donc, 2 sur 1 plus g pi f, on peut la mettre dans la forme 2 sur la partie réelle moins la partie imaginaire. Donc, c'est 2 sur 1 au carré, la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça sera 4 pi carré f carré moins g 4 pi f sur a au carré plus a 4 p carré f carré. Donc, on a décomposé notre signal en deux parties, la partie imaginaire et la partie réelle. On va calculer maintenant le module de notre signal S de F. Donc, on aura S de F égale C2 sur la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, la racine. Donc, le module de S de F, C2 divisé par la racine de 1 plus 4pi carré F carré. On termine avec la dernière question. Ça concerne l'énergie du signal d'après son expression temporelle. Et on fait la même chose pour la partie fréquentielle. La formule de l'énergie utilisée pour calculer l'énergie d'un signal, c'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini.
2s de t élevé au carré dt. Donc, c'est l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini. On va remplacer s de t par sa valeur qui est égale à 2 exponentielle moins t élevé au carré dt. 2 au carré, c'est 4. Exponentielle moins 2t élevé au carré, c'est exponentielle moins 2t. On aura 4, l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins 2t dt. Donc, l'intégrale d'exponentielle moins 2t, c'est moins 1 demi exponentielle moins t entre 0 et l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. On aura 4 sur 2 égale à 2. Donc, la valeur de l'énergie domaine temporel égale à 2. Maintenant, on va vérifier est-ce que l'inégalité de Perceval, à partir de l'expression de la transformée de Fourier-Jussienne, sachant toujours que l'inégalité de Perceval, on a dit que l'énergie du domaine temporel, c'est la conservation d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie calculée du domaine temporel, ça reste la même domaine fréquentiel. D'après l'inégalité de Perceval, nous avons l'énergie de S égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de F élevé au carré DF. Donc, c'est deux fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. On va remplacer S de F par sa valeur. Donc, c'est 1 sur la racine de 1 au carré plus 4 pi carré F carré élevé au carré DF. Donc, c'est 1 par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 1 plus 4 pi carré f carré df. On peut la mettre dans la forme 4 sur 4 pi f carré, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de 1 sur a carré sur 2 pi f 2 pi au carré plus f au carré df. On va utiliser l'indication, l'exercice que l'intégrale de dx sur alpha au carré plus x au carré égale 1 sur alpha arctangente x sur alpha plus une constante. Donc l'énergie, on va remplacer, donc ça sera 1 sur pi au carré l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur a sur 2 pi au carré plus f au carré. DF égale tout simplement 1 sur pi au carré par 1 sur a sur 2 pi, car nous avons 1 sur alpha. Alpha ici, c'est a sur 2 pi. Arctangente x sur alpha, donc x c'est f sur a sur 2 pi entre moins l'infini et plus l'infini. On va simplifier ici, ça reste 2 sur pi par arctangente 2 pi f sur a pour un intégral entre moins l'infini et plus l'infini. Arctangente plus l'infini, c'est pi sur 2. Arctangente moins l'infini, c'est pi sur 2, moins pi sur 2. On aura à la fin l'énergie, c'est 2 sur pi par pi sur 2 plus pi sur 2. Pi sur 2, c'est pi sur 2, c'est pi. On va remplacer le pi par pi. On aura l'énergie égale à 2. Donc, c'est la même valeur trouvée ici dans le domaine temporel. On peut dire que l'égalité de Perceval est bien vérifiée. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.